y a dans les temps bleus. Ouais. De ce qu'on a vu comme fouille, Tu as est-ce qu'on mandonné voyait un peu de sauter? tes bouillettes, C'est hein. avec toi aussi qu'on a vu sauter un gros truc là-bas, non? Oh, la petite carpe en surface, là, qui vient de remonter. Ou je sais pas trop si c'était une carpe, mais. Ouais. Ouais, je t'en donnerais deux. Et gros, ça va, c'est moi déjà qui paye l'amorçage, le prix que j'ai payé, ça, frère. Ah, ça déroule. Bris de la vue. Il y a le. Ouais. Il y a l'arbre, rappelle-toi. Poisson, les amis. Bah, ça commence bien. C'est bien, elle part à gauche. C'est gros. Bah, il est à gauche, l'arbre, non? Non, à la droite. Ça a l'air d'être pas nous. Mal en vrai. Pour ici. Elle part vers nous, on dirait. Non, elle part à gauche. Donc voilà, les amis. Premier départ. Ah, une petite 10 minutes de pêche. Ouais. Bon, on va y aller gentiment là, dans la sortie des arbres. Parce qu'il y a pas mal d'arbres où on pêchait. Là, par contre, elle part vraiment tout à gauche. Ouais. Fais gaffe parce qu'elles sont jamais parties là-bas, on sait pas trop. Ouais, on sait pas trop s'il y a des obstacles ou pas. Là, nous sommes sur un carpodrome de 2 hectares et demi. On va faire une petite pêche de journée. On va essayer de taper quelques fiches, voilà, pour s'amuser entre potes. Donc c'est cool ça. Elles ont bien répondu à l'amorçage de bouillettes à la crème avec un peu de maïs sur une neige de maïs. Voilà. Et ça fait le taf. Pour ici, ça a l'air d'être pas mal. Ouais, je pense que c'est pas mal pour ici en vrai. Ouais, je sais pas. Ouais, ça a l'air d'être costaud quand même. J'ai rarement vu des carpes qui sont dès le fond ici. Puis là, je suis en train de pêcher avec mes petites extrêmes 9. Slime en 270 pieds. 270 pieds. 2,70 m, pardon. 270 pieds. Oh. Ouais, c'est une petite coco. Les coups qu'elle met. Cimer. Elle est correcte. Un petit roche, c'est cool ça. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à la pêche ensemble, Babtou là. Ouais. C'est cool. Pour une reprise, franchement, ça commence bien. Là, on pêche sur. En bordure, à 10 mètres du bord, à l'ombre. Et voilà, ça part tout de suite de toute façon. Ouais, elle est pas très très grosse, hein, mais bon. Elle combat bien. Ça fait plaisir, ouais, elle est bien combative. Comme il faut. Allez, mets-moi ça dedans. Yes! C'est bon ça, check là. Yes. Allez, on la met dans le tapis, on se retrouve. Non. Allez, une petite commune pour commencer. Une matinée qui commence à 100%. Et voilà. Une petite commune, voilà, c'est pas bien gros, mais ça fait plaisir. La première de la matinée, c'est cool. Comme j'ai pu vous expliquer, on l'a pris avec un amorçage de bouillet de crème, donc à la graine, avec un peu de maïs. Et en neige, une petite neige de maïs et un faux maïs corda, quoi, qui est bien allégé. Et c'est cool, un beau petit poisson avec des belles couleurs, qui vont commencer à être en fraye, ou qui y sont déjà. Allez, on va pas l'embêter plus longtemps, on prend quelques photos et on la remet à l'eau. Qu'on fait un truc. Toi, c'est qu'à des cartes sur le coup. C'est pas un fichier. Oh, comment ça bulle! Ça, c'est. Oh, je crois que c'était un poisson qui a sauté en face. Ouais. Non, mais c'est pile où il y a ta canne. Ouais, je pense. Oh, l'autre ça, canne. Touche de retour. Ouais. Et ça part, les amis. Attends, laisse un peu, laisse un peu. Vas-y. Bien joué. En fait, c'était peut-être ta canne qui a bougé et qui a fait buter la mienne. Yes! Nouveau poisson encore à nouveau. Et en plus, nickel, elle part encore à gauche. Nickel. Toujours la même. Ça a l'air d'être pas mal encore une fois.
Oh ouais. Ça a l'air d'être plutôt costaud pour ici. Ouais, toujours la même mèche, pareil. Hein. Là, ça a l'air d'être un peu plus beau que tout à l'heure, gros, quand même. Ouais. On a mis une petite touche assez. Allez, allez dedans. Yes. Deuxième fiche, tape là. Deuxième fiche de la journée. Yes, c'est En bon même ça. pas une heure de pêche. Ah, elle est plus petite quand même. Ouais, même pas. Deuxième poisson. On a failli faire un doublé là, il y a eu un départ juste après. Mais je pense qu'on va changer le montage parce que ça fait deux fois qu'il y a un départ sur la même canne et ça se pique pas. Ouais, même trois fois. Il y avait une petite commune, un peu plus petite que l'autre, mais tout en longueur. Des belles couleurs, bien orange et tout, c'est beau. Au bout d'une heure de pêche. Ouais, au bout d'une heure de pêche, là, une deuxième carte. Donc c'est cool. Super. Toujours pris à la même mèche, hein, au maïs. Un beau poisson. Yes, c'est bon ça. Allez, on va essayer de faire une troisième carpe, mais cette fois-ci pour le collègue. Et on remet ça à l'eau. Let's go. Allez, la deuxième, ça repart à l'eau. Magnifique couleur. Hein. Ouais, magnifique. Yes. Ferme-moi ça, bien joué! Regarde, j'ai le micro dans le nez! Nice! Bon, celle-là, on la décroche pas. Bon, attends, je Lève-toi du téléphone, on voit rien par contre. Je retire le micro du nez. Bon, voilà les amis, nouveau départ. Après trois décroches de suite. Putain, le départ qui tombe! C'est fou! Ils partent comme des balles. Et celle-là, elle y est, cette. Elle se décroche pas pour l'instant. On a vraiment de la poisse. Non, j'espère. C'est gros? De quoi, pas trop. Mais ça sonde bien. J'en fous que ça sonde. Ça Bah, c'est-à-dire que c'est un gros poisson, ça sonde. Ah ouais? Mais c'est pas un gros. Oh, elle est sur l'autre canne. Yes! Nickel ça! C'est bon! Voilà, une toute petite commune. Bien nerveuse. Ça fait plaisir. Après au moins 5 décroches de suite. Hein. On vous a fait un beau départ. Voilà, super départ en direct comme vous avez pu le voir. Un beau poisson avec un beau petit combat sur le bord. Ça fait plaisir. Allez, on prend quelques photos, on remet ça à l'eau. Allez, ça repart. Salut mes mères. Yes. On vient d'avoir un doublé. Malheureusement, ça n'a pas filmé. J'ai oublié d'allumer le téléphone. On va vous présenter quand même les deux petits poissons. Un petit doublé qui fait bien plaisir. Avec des départs de fou. Voilà, des beaux départs, dommage que vous ne l'ayez pas en direct. Des belles carpes bien grasses. Bon, c'est pas très gros, mais ça fait toujours plaisir. On en a fait 4 du coup. Des petites boules. Des petites boules bien grasses, ouais. Allez, prends quelques photos et remets ça à l'eau. Mise de ce petit doublé. La première, la plus petite. Et la deuxième. Et la deuxième. Bien énervée celle-là. Elle est bien énervée. Tiens, on lâche là tout de suite là. Passe-la par là. Allez, à la prochaine. Ah, ça part. Laisse. Dépêche, ça part. Yes, allez celle-là. Ah yes! Enfin! Et le départ il est en direct cette fois-ci, on a bien posé le téléphone. Il a fait que ça filme au cas où, bah tout. On sait jamais quand même. Parce que vu qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Bon, bah, nickel. Ah, t'as foutu un départ, mon pote. Toi, elles sont vraiment partout. J'espère que je vais pas passer sur ta canne. Non, c'est bon. C'est bon, elle est dedans. Yes! C'est bon.
Petit poisson. Ça fait bien plaisir. La cinquième. Elle a des belles couleurs, t'as vu ça? Ouais. Regarde la queue, comment elle est orange et tout. Magnifique. Elle est magnifique. Puis ça nous montre sa nageoire dorsale, donc c'est énorme. Allez, on prend une petite photo quand même, on la remet à l'eau. Tu l'as du coup? Ah! Attends, laisse. Une petite. Bon. Ouais, ça monte, ça monte. Attends, laisse partir. Ouais, ça part. Deuxième, les carpes, les amis. Ah, t'as mis une petite touche bien méfiante. Et cette fois-ci, c'est filmé. C'est ça qui est cool. Puis tout à l'heure, hein, le doublé, pas filmé, sans faire exprès. Peut-être la sixième carte de sortie. Finalement, on va. Elle met des beaucoup de têtes, celle-là. On va prendre la carpe avec nous, la première déjà. Hop, elle est dedans. Yes, tape là. Bon bah voilà, le petit doublé qui fait bien plaisir. Là on peut voir une petite carpe qui a été empoisonnée sûrement cette année ou l'année dernière. Et une carpe, ça fait un peu plus longtemps qu'elle est là parce qu'elle a pris les couleurs de l'étang. La différence de couleur est impressionnante. Un beau petit doublé. Ça fait plaisir. Toi c'est une petite boule la tienne. Toi c'est des poissons de 2,5 kg à peine. Mais ça fait bien plaisir. Une petite boule. Une petite touche en direct en plus, c'est cool. Allez, présente-la un coup. Monte là. Voilà, super, toujours pris à la même chose, un morsage à la bouillée de crime et avec du maïs. Et une dèche, excusez-moi, de maïs et un faux maïs corda, quoi. La même que tout à l'heure. Et ça marche. Allez, on va se presser de les relâcher et de remettre les cannes. 3, 4, 5, 6. Non, 6, je viens de compter. Ma première. Oh, triplé. Triplé, les gars. Serre le frein. Oh, le départ de malade. Oh. Attendez, je vais mettre ça là-bas. Après, le frein était peut-être un peu desserré quand même. Hein. Ouais. Je pense que tu l'avais pas trop. Ouais, elles ai bien mises là-bas, calées dans l'autre épuisette parce que. Bien prendre le temps de la sécurité. Putain, c'est lourd. GG. Donc, deuxième carpe qui fait avec sa canne. Des nouvelles cannes, c'était EOS. Ouais, EOS. Des Fox. En 10 pieds. En 10 pieds, ouais, c'est ça. Elle t'emmène vraiment à gauche. Là. Yes, elle est dedans. Bien joué, check là. Ah, c'est cool ça, triplé. Ah ouais, y a pas la même bestiole là-dedans. C'est pas le même gabarit. Bon, comme vous avez pu le voir, on vient de faire un joli triplé. On vous présentait déjà, comme vous avez pu le voir avant, vite fait les deux premières. Donc moi la noire, comme j'avais pu vous dire que c'était un poisson qui était magnifique. Magnifique. Très belle couleur. Vas-y, monte la petite. Ensuite, la deuxième. La deuxième, la petite boule. Pas des couleurs exceptionnelles, mais c'est pas mal. Ouais, un beau petit poisson. Et la troisième. Et la troisième. Qui change un peu de gabarit, c'est vrai. Qui part un peu sur. Du un peu plus gros. Un beau poisson. Un beau poisson. C'est cool. Enfin, celle-là est vraiment magnifique, je vous la présente encore. Des belles écailles. Un peu grise, mais bien espacée, bien... Magnifique. Une belle queue. Allez, magnifique, gros. Allez, magnifique. Bah voilà, huitième poisson, superbe déroule, super combat, je pensais vraiment que c'était beaucoup plus gros. Mais en fait c'est encore une toute petite commune qui fait bien plaisir. Voilà, super commune. Changement de technique qui a payé, deux déroules en 10 minutes de temps. Voilà, avec les boulets de crime comme vous pouvez le voir là. Avec un petit faux mescorda dessus, ça fait le taf. Super, elle est magnifique en plus. Bon, c'est une petite, bon, elle doit faire 2 kg, mais ça fait toujours plaisir. Allez,
On la remet vite à l'eau, on repose les cannes et espérons essayer de toucher un poisson de plus de 5 kg au moins. Ça serait cool. Allez. Allez. On relâche cette bête commune. Ce beau petit poisson. Allez, ma belle. Yes. J'ai direct pris la moto. Il n'y avait pas mon père chez moi. C'est bon, en direct. En direct. Énorme encore. Non, là, vraiment gros. C'est beau ? Énorme. Regarde, regarde, ça vient. Là, c'est pas dans l'arbre. Vas-y, vas-y. Pas le temps de poser la troisième canne. Là, je décroche pas, moi. Ça part, les potes. Allez, vas-y. Et puis, tu n'es pas là. Ouais, t'as fait un bon combat. C'est vraiment le même gabarit qu'on fait aujourd'hui. Allez. Yes. Yes, la 9e. GG. La 10e bientôt, gros. Yes. Donc voilà, 9e poisson de la session. Un poisson qui fait à peu près la même taille que les deux derniers. Vraiment un beau combat. Avec de gros coups de tête. Puis voilà, ça doit faire 2,5 kg. On va aller la relâcher. Bon, donc voilà, on va relâcher cette petite commune. Allez, ça repart à l'eau. Attends. Bon, voilà, on va relâcher cette petite commune. Elle va repartir. Gros déroule derrière. Bon, bah, elle est bien repartie. Et déroule. J'en ai perdu. Attends. J'en ai perdu ma tronche. C'est un peu fou, les gars. Donc encore double. 10 poissons. 10 poissons. Oh. Coup de tête. On relâchait la carte, donc ne vous inquiétez pas, elle est bien repartie. Elle était là à ce moment-là. En plus, elle a bien. Tu sais, quand on avait bougé la canne, quand on l'avait remontée. Ouais, en plus. Bien là, regarde où elle est, on l'avait lancée là-bas. Ah ouais, ça doit pas être bien gros. C'est énorme. Incroyable. Énorme. Attrape-moi ça. Allez, je suis sur le bord, hein. Voilà, nickel. Yes, elle est dedans. 10e poisson. Donc voilà. Encore une petite carpe. Prise en relâchant la dernière. Donc voilà, un petit peu plus petite. Ça fait de la touche. C'est pas mal. Voilà, on va relâcher cette belle commune en espérant que la canne de derrière déroule encore. Donc voilà. Yes, bien joué ça. Boum. On vient de relâcher la commune juste avant et là, même pas une minute après. Voilà. Bah ça départ dans les mains de Louison. Ça a pas l'air bien gros. On n'a plus du tout de canne sur le road pod. Ouais, plus rien. Un joli doublé, pratiquement triplé. Ça fait bientôt une heure que ma canne n'est plus à l'eau. Parce que on fait que de remonter des cannes sur les cannes à Louison. Du coup on n'a pas le temps de la relancer. Des très très belles couleurs. Elle est pas grosse. Ah non. Tu l'as ? Ah merde, oh non. Putain, décroché. Décroché juste au bord. Décroché juste au bord. Bon, c'est pas grave, ça compte. Bon, voilà, on est en train de poser la troisième canne. On va relancer les cannes. Il y a une petite touche, un petit départ. Malheureusement, elle s'est prise dans l'autre canne. Oh, c'est bon, elle est plus dedans. Ah si, elle est dedans, malheureusement. Hop, un petit poisson. C'est cool, ça faisait une heure et demie qu'on n'avait pas touché de poisson, qu'on avait fait deux décroches. Dommage qu'on n'a pas eu la touche en direct. Ça, c'est encore une petite commune. Hop, on va passer la canne là-dessous. Yes, c'est cool ça. La 12e, il me semble, ou la 13e. Et voilà. Elle est toute petite, hein.
pas un très très gros poisson, mais comment elle se combat. Allez, yes, c'est bon ça. Hop là, ça va être peut-être pour vous le premier poisson de la partie 2. Je sais pas si ça va être dans la première partie ou la deuxième, je pense la deuxième. Mais c'est un beau petit poisson, ça fait plaisir. Yes. Elle est toute petite, mais je trouve qu'elle a des super couleurs au niveau de la queue. Hein. Bien rouge comme ça, c'est cool. Allez, on prend une petite photo peut-être ou et on la remet à l'eau tout de suite. Ça repart. Yes. Attends, et ben voilà. Je vais faire. Vas-y. Je te laisse faire. Je lui laisse faire parce que. Attends, mais c'est celle que je viens de poser. Voilà, même pas une minute de pêche. Vous avez pu le voir, je viens de la poser. Voilà, même pas une minute de pêche. Et c'est déjà reparti. Incroyable. Donc doublé, on n'a pas eu le temps de filmer. On n'a pas eu le temps de relâcher la deuxième et vous la présenter. Attendez, tiens, j'ai posé ça là. Pourquoi je suis parti là-bas? Hop. Aucun coup de tête ni rien. Hein? Aucun coup de tête. Ça, mais... ça vient tout seul. Ah, ça vient dans mon sens. Regarde le vent. Oui, normalement. Yes, c'est bon ça. Ben voilà, un petit doublé qui fait bien plaisir avec une touche en direct en plus pour la deuxième. Elle est bien nerveuse la tienne. La mienne est juste magnifique, elle est toute noire, bien sombre avec une queue, elle est vraiment toute rouge, c'est magnifique. Voilà, un beau petit doublé. Ouais, ça fait bien plaisir. Oh, magnifique, hein. Elle est magnifique, surtout la mienne. Ouais. Oh, les couleurs, il y en a moins. La queue, elle est même plus orange, elle est rouge ouais. Carrément. Un vrai poisson. Magnifique. Allez, on prend une petite photo et let's go. On réalise la première carpe. Yes. Et la plus petite, la deuxième. Voilà, on se retrouve pour la fin de vidéo. Donc on a fait une quinzaine de poissons. Énormément de décroches, je sais pas du tout pourquoi. Et pourtant les montages ils piquent et tout, mais je pense que c'est les carpes, elles doivent pas bien prendre le montage. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager comme d'habitude si c'est pas déjà fait. Et aussi grand merci pour tous ceux qui se sont abonnés dernièrement sur la chaîne. Vous êtes vraiment nombreux et à avoir regardé ma dernière vidéo, on est passé à plus de 20 000. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sûrement une pêche à la carpe. Allez, à la prochaine. Ça déroule la caméra. Oh attends, ça déroule. Attends, ça part. Laisse ça peut dérouler, Vas-y. Yes. Maintenant, elle sort celle-là. Allez, on rentre.